Amis et téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Opinion PAM, émission présentée tous les mardis sur APTV dans YouTube et dans Facebook. Nous apprécions qu'on prenne un moment ça pour capable garder, pour capable suivre l'émission ça. L'émission jeune aujourd'hui, nous prenons faire un casser-aller sur l'actualité. Comme on connaît, c'est toujours un sujet d'actualité qui est abordé à cette émission du mardi. Actualité A, nous pas capable passer en travers de lui-même, c'est coronavirus qui dans actualité A et je ne dis forcément on a parlé de lui, mais nous pourrons parler de lui en des termes plutôt culturels puisque gagnent plusieurs activités culturelles dans le pays d'Haïti qui censé pratiquement pas capable réaliser à cause coronavirus. Il y a plusieurs institutions culturelles dans le pays d'Haïti qui gagnent pratiquement des activités qui ont été prévues puis ont été faites pendant le mois de mars, pendant le mois d'avril. Ils sont obligés de mettre au sous-côté. N'a pas cité, par exemple, la Fondation Focal, n'a pas cité la projection de film de Arnold Antonin, qui était supposé sortir, n'a pas cité l'Institut français d'Haïti, n'a pas cité la quinzaine de la francophonie, les amis téléspectateurs, pour ne citer que cela. Ce sont des activités à caractère culturel qui sont obligées en quarantaine, compte tenu de situation. À l'émission du jour, n'a pas venu avec tout détail concernant l'institution SAIO, avec activités culturelles qui ont été gagnées, qui te prévoit. Dans la deuxième tranche émission, on a gagné notre segment Les Grands Rendez-vous, côté que nous gagnons des informations que nous avons partagées avec vous dans le segment d'émission ça. Bienvenue à l'émission du jour, Opinion PAM. Et on pose, on a tourné. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour des professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que la classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après la classe, relayez pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen l'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online sunrisenursingfl.com. Tous élèves qui graduent dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Pierre Tax Group invité au ADSA encore. Profil taxou légalement selon principe ARSO. Relais 954-362-4051. Casson rendez-vous avec Pierre Philanthrope qui gagne 25 années d'expérience dans fil taxe individuel et business. Pierre Philanthrope qui a un master degree dans Law of Taxation de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école Loi Taxe aux États-Unis. Pierre Philanthrope licencié par Internal Revenue Service pour assister taxpayer aux États-Unis dans return yo ak problème ko ta ka gagner. Pierre Philanthrope également recevoir Pinnacle Business Award 2018 de Mirabar Pengoupine Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Relais 954-362-4051 Jodia pour gagner un rendez-vous taxe avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group. Avantage pour client Pierre Tax Group, yo, c'est que Pierre Philanthrope prend seul pour expliquer toute loi qui applique à Kessou. Et l'y accompagner dans le processus temps pour crédit ou bien déduction qui n'ont taxou. Profil taxou légalement, relais à son rendez-vous jodia avec Pierre Philanthrope qui dans 954-362-4051, Pierre Tax Group, Chita dans 78-79 Pines Boulevard, suite 105, Pengo Pines, Florida. Pierre Tax Group, paré pour taxou. Mais
Maine Financial Services. Faut songer que le suite en 76, Mount Vernon Place dans Newark, New Jersey, tout pareil pour le fil taxe sur le principe Internal Revenue Service pour qu'à gérer finances ou bien dans les yeux la loi. Rélez 973 980 86 92 Jodia pour qu'à son rendez-vous taxe dans Maine Financial Services et un service investissement spécial pour tout jeune qui n'a 20 ans. Avec $2,000 pour qu'à payer par mosso, Maine Financial Services garantit un return qu'a fait qu'il est content en quelques années. Rélez 973 980 86 92 demandez pour Jamar Joseph pour un rendez-vous d'investissement. Dans Maine Financial Services, bien tout service noté public, life insurance, MoneyGram, sports agent, investissement dans real estate, réparation crédit, traduction document, service immigration, enregistrement légal pour business ou et puis tout un bon service transportation. Maine Financial Services, 76 Mount Vernon Place, dans Newark, New Jersey, téléphone 973 980 86 92. 973 980 86 92. Avec Maine Financial Services, toutes affaires réglées. Casa Champette, restaurant and lounge de Pengu Pines, Florida, faut songer que li l'ouvri pour delivery and pick-up pendant période de crise coronavirus là. La section restaurant de Casa Champette toujours gagne les meilleurs plats disponibles pour votre dégustation. Placé commande en gros ou en détail, dans les 954 983 5046. Passez pick-up bon manger pour monde qui habitait Pengu Pines et les environs, livraison disponible. Casa Champette, la meilleure cuisine haïtienne, est au 7920 Pines Boulevard, Pengu Pines, Florida, téléphone 954-983-5046. Ouvert du lundi au jeudi de 11h du matin à 9h du soir, le samedi et le dimanche de 11h du matin à 11h du soir. Pick-up ou livraison, Casa Champette, apprécié support dans un moment difficile ça. Merci. Amis téléspectateurs, nous apprécions qu'on là ensemble avec nous pour nous capables d'entrer tout droit dans l'actualité, hein, puisque on connaît que dans l'émission ça, c'est un sujet d'actualité que nous abordons. Sujet d'actualité pour ce maintenant, c'est définitivement coronavirus. Et pour nous autres à l'émission du jour, c'est des activités culturelles dans le pays d'Haïti qui viennent contrarier justement à cause coronavirus. Là, on a signalé que des institutions très connues dans le pays, hein, qui ont œuvré dans le domaine culturel, tant qu'organisation Fondation Focale, Institut Français d'Haïti, bien le film documentaire de Arnold Antonin qui était gagné pour le sorti, une quinzaine de la francophonie qui est soliste pour organiser, gagné livre en action dans tout le monde qui t'a pris le fait, gagné action Foodizé Théâtre qui également était gagné pour fonctionner. Toutes ce sont des activités, amis téléspectateurs, avec des institutions qui contrariaient dans ça qui était prévu. Nous prenons un reportage qui a plus de détails concernant Jean que coronavirus limité des institutions culturelles en quarantaine. En effet, les amis téléspectateurs, il y a toute une liste d'activités culturelles qui étaient supposées dérouler dans le pays d'Haïti qui obligeait à renvoyer à une date ultérieure compte tenu de la propagation du coronavirus en Haïti et à travers le monde. Par exemple, il y a la Fondation Culture et Liberté Focale qui était supposée gagner des activités socioculturelles sorti 17 mars pour ouvrir 31 mars année 2020. Il est obligé d'ailleurs communiquer, fait connaître que renvoyer toute activité socioculturelle dans une date ultérieure. De l'autre côté, le film documentaire d'Arnold Antonin qui portait nom Ainsi parla la mer, qui était traîné en grande foule dans Caribe Center récemment et qui était supposé projeter dans salle de cinéma de Focal, eh ben, il y a la fois encore, il est obligé de renvoyer ce grand événement. Bon, côté Pali, l'Institut français d'Haïti, qui était supposé gagner des activités à caractère culturel jusqu'au 31 mars, obligé également non communiquer, fait connaître que les campés sous toute activité. La quinzaine de la francophonie, qui était supposée dérouler du 9 mars au 20 mars autour du thème « La francophonie de l'avenir » est touchée par les décisions des autorités interdisant tout rassemblement. Un grand événement est prévu pour le 20 mars, qui est après à consacrer la journée internationale de la francophonie, il y en a fois encore obligé de renvoyer dans une date qui n'est pas connue pour le moment. Il y en a bon,
la première édition du Festival du Livre de Combite Centre Socioculturel dans tout le monde qui porte nom Livre en Action tout le monde qui te prévoit sorti 18 pour l'ouvrir 21 mars 2020. Est reporté à une date ultérieure. Il y a une autre activité qui était supposée dérouler le jeudi 12 mars écoulé. Également, cette activité a été renvoyée. Même cas de figure pour l'association Foudizet Théâtre. Gagnant des activités qui étaient prévues tant qu'au festival annuel Côte en Bâtonnel qui reportait. Le Centre d'art Temple de l'art plastique en Haïti, qui était solliste pour fêter ses 75 ans, fermait temporairement ses portes dans le pays d'Haïti. Il y a des cours, des ateliers, des activités culturelles qui étaient prévues. Toute activité ça aux amis téléspectateurs, obligés renvoyés à une date ultérieure. Il y a l'autre fois encore, les activités culturelles en Haïti, malheureusement. Mise en quarantaine par le coronavirus. Ici Jude Onsre, non pas M. Roupi, pour RP TV. Community Access Center de Miramar, Florida, regrette en pile pour informer toute communauté à que à cause de situation coronavirus, les obligés restent fermés pour une période indéterminée. Cependant, pour clientèle qui soulisse profil taxe, Community Access Center annonçait que Internal Revenue Service décidait par une extension jusqu'au 15 juillet 2020 pour profil taxe sans pénalité pour late filing. Aussitôt que gagne retour à la normale, Community Access Center a retourné l'ouvri porte pour bail service. Community Access Center dans 8910 Miramar Parkway dans suite 208 Miramar Florida, téléphone 954 534 91 13. Community Access Center invite à suivre les consignes sanitaires du département de la santé dans Florida, tant qu'on lave les mains souvent, tousser dans les épaules nous, rester la caillou le plus possible, éviter foule le plus qu'au capable pour nous toutes capables de traverser moment difficile ça. Unlimited Dress and Style, à Kilo 467 Main Street dans Orange, New Jersey. Louis Portly chaque jour pour la communauté évangélique. Belle rade pour habiller pour les grandes et petites occasions. Outfit pour gala évangélique. Habillement pour aller à l'église. Uniforme pour chorale. Rade pour usher. Convocation, réveil. Ou bien qu'importe qui rendez-vous spirituel. Unlimited Dress and Style, chargé modèle dans 467 Main Street dans Orange, New Jersey. Téléphone 973-677-7562. Unlimited Dress and Styles. Il y a également chapeau, jupe, blouse, accessoires pour votre beauté et vos sorties élégantes. Prix abordable, livraison à domicile. Si vous dites qu'on tendait ou bien ouais, réclame ça, vous bénéficiez 30 à 50% de rabais. Unlimited Dress and Styles. Obtenons dans 467 Main Street dans Orange, New Jersey. Vous venez choisir bel outfit ou ouvert du lundi au samedi de 10h du matin à 6h du soir, fermé le dimanche. Téléphone 973-677-7562 ou bien 862-704-6182. Website unlimiteddressandstyles.com. Unlimited Dress and Styles. Paré pour bien habiller pour toute occasion. Restaurant côté tout le monde toujours bien manger, c'est Jacob Restaurant and Bakery qui est 80 Mount Vernon Place, Newark, New Jersey et qui a servi les meilleurs plats du jour tous les jours pour toute la communauté et ceci depuis plus de 30 années. Dans la section Bakery, il y a bon pâté, bon pain, biscuits secs, douce tablette, bonbon lamidon, langue bœuf, gâteau. Enfin, mes amis, depuis ces pâtisseries en gros comme en détail, pour toute occasion, c'est placé order rapide dans 973 373 2939 Jacob Restaurant NBC, tout pareil pour service. Dans la section restaurant,
les meilleurs plats du jour. Chaque jour au menu, déjeuner, lunch, dîner et souper au goût du client. Commande pour toutes les grandes et petites occasions, disponible pour tout le monde à la Ronde Badet. Jacob Restaurant, 80 Mount Vernon Place, Newark, New Jersey, ouvert tous les jours, de 9h du matin à 9h du soir. Téléphone 973-373-2939. 973-373-2939. Jacob Restaurant NB Cru, bon manger, ou qu'à bien manger. Choubou Enterprise annoncé qu'il traversait dans un nouveau local pour le cas bien servi ou dans le domaine taxes, assurance, crédit repair, immigration et l'autre encore. Au 9777-B West St. Paul Road, Coral Springs, Florida, Choubou Enterprise, Paris pour aider. Relais 754-229-2272, casse au rendez-vous dans Choubou Enterprise. Tax services tout à néant. Life insurance en bonne et due forme pour tout le monde. Crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction document, notaire public, transfert l'argent sous place avec l'autre service financier ou gain besoin, là pour là dans Choubou Enterprise, qui dans 9777-B West St. Paul Road, Coral Springs, Florida. Casse son rendez-vous avec Fritz Dorvillier pour s'entendre à toutes affaires réglées. Bienvenue à notre segment d'émission Les Grands Rendez-vous, amis téléspectateurs. Comme on connaît, son segment d'émission qui est là pour le capable promouvoir des activités qu'a faites en dehors de la Floride, également dans Florida, en matière de rendez-vous culturels, en matière de soirées dansantes, en matière de festivités. Pour capable comprendre toutes festivités qui te prévoient pour le mois de mars et pour le mois d'avril, officiellement, ils ont renvoyé à une date ultérieure. Donc, vous pouvez comprendre que segment d'émission ça n'a pas rien pour nous promouvoir. Cependant, nous t'aimerais signaler à l'attention des promoteurs, à l'attention de tout le monde qui t'a organisé fête, qui t'est sous liste pour organiser les festivités, si qui t'a voulu voir des annonces, ben nous et dans la télévision, pour nous capables d'avoir une idée de ça que ou bien intention fait, ça qu'on voulait faire, ça qu'on a un plan pour faire, eh ben nous t'a apprécié qu'on contacte nous et pour capable faire nous connaître ça qu'a fait pour nous partager avec audience là. Et puis des promoteurs qui ont des activités dans le futur, qui étaient pratiquement à souhaiter utiliser antenne pour nous capables pratiquement faire connaître ça qu'on a dans Jakout comme projet, pas hésiter, contactez nous dans le numéro de téléphone qui est sur l'écran pour nous capables partager avec l'auditoire nous, qui toujours demandé nous ça qu'a fait. Yo certainement t'as content d'apprendre que promoteur est toujours vivant à fonctionner. Qu'on capable comprendre déjà les artistes étaient vivants puisque il y a pile là-dedans yo qui a fait des messages puis capable d'inviter la population à prendre conscience de la situation, mais les promoteurs pratiquement sont au point mort ou bien soulevés sont au signal zéro, ne pas attendre. Donc vous pensez que espace ça dans les grands rendez-vous, si il y a un promoteur qui voulait faire passer message, pas hésiter, contactez-nous, on est content pour nous capable partager avec audience ça quoi fait. Justement amis téléspectateurs, nous autres dans RPTV, on connaît que chaque année, nous toujours célébrer fête dans Grand Jean. Et depuis quelques années, dans Cassa Champette, et faut nous dire que nous toujours sous liste pour nous célébrer le 4e anniversaire télévision dans Cassa Champette le samedi 13 juin prochain. Il est vrai que date là paraît loin, donc il est vrai que nous gagnons distance devant nous. Donc définitivement, nous-mêmes, nous t'avons informé que nous avons qu'un billet date là, jusqu'à preuve du contraire. Les nous arrivons plus près, nous avons fait qu'on ait ça qu'a fait précisément, qui dit à ce qu'a joué, ou bien si que nous avons obligé de renvoyer, même genre à tout le monde. Donc, amis téléspectateurs, nous sommes tenus à préciser l'information ça dans cette bonne émission ça, les grands rendez-vous. Nous avons profité un moment pour nous dire bienvenue à un nouveau membre que nous avons dans staff télévision qui a fait émission tous les jeudis. C'est Lorraine Voltaire qui gagne pour présenter émission qui portait donc Causé Santé. Donc, une autre fois encore, nous dit bienvenue. Nous allons passer un spot vidéo qui a une idée de staff que nous gagnons dans la télévision. Nous sommes contents pour nous dire que journée aujourd'hui, 4 ans plus tard, à RPTV ou P-Production Television, nous gagnons une dizaine de membres dans la télévision. Chaque monde qui a une responsabilité bien précise.
Les spectateurs, nous arrivons dans le dernier moment. Émission qui c'est Opinion PAM que nous faisons tous les mardis sur Appétit via YouTube et dans Facebook. Encore une fois, nous apprécions que tu prends le moment pour être capable de regarder ce que nous avons pour aujourd'hui. Nous espérons que nous avons une opportunité mardi prochain pour nous retourner avec une autre émission Opinion PAM. Ici, Jude Ronseret, non PAM, c'est Roupi. À la semaine prochaine.